Bonjour, bienvenue sur Vidéoformation. On va maintenant terminer notre programme qui est le TP sur la petite calculette qu'on a déjà commencé. Donc, vous allez tout simplement redémarrer votre programme que vous avez normalement enregistré. On va maintenant entrer dans le vif du sujet qui est la programmation, dans le sérieux, comme on dit. Donc, premièrement, on va déjà programmer les quatre boutons. Multiplication, etc. Donc, double-cliquer sur le bouton plus et la procédure APA. Après cela, vous allez directement faire LBL signe qui correspond à notre l'affichage du signe plus, etc. dans l'interface, sur l'interface plutôt. Donc là, LBL caption, c'est pour. C'est comment dire la propriété de l'affichage du signe. Donc égal plus. Pour ne pas revenir à l'interface grâce au menu déroulant qui se trouve ici, donc on va directement on connaît les noms de nos fonctions. Donc directement c'est un div pour la division. Donc je vais directement aussi ici pour gagner du temps copier et coller le et faire et remplacer que par signe correspondant. Moins ici aussi pour le signe correspondant. La multiplication aussi par le signe correspondant pour gagner du temps. Et division, multiplication, c'est bon. Maintenant, vous pouvez fermer et faire apparaître votre fenêtre. Bon, pour la fenêtre, vous allez tout simplement double-cliquer sur calculer pour afficher la procédure du bouton calculer. Et on va commencer notre programme. On va déclarer deux variables. Tout d'abord, la variable A et B. Dim A. On a déjà fait cela précédemment. A, B, As. Enfin, je vais faire double. Après cela, je vais dire que A égale val txt A. Pour un texte, qu'est-ce que ça veut dire cette ligne de commande? B égale val txt b point texte. Pour convertir les champs du caractère au numérique, c'est-à-dire que quand on entre par exemple 1 dans le premier text box et 2 dans le deuxième text box, lorsqu'on fait comment dirais-je, une addition, j'ai perdu mes mots, vous allez tout simplement avoir 1 plus 2 égale 12. C'est-à-dire il a sommé il a considéré que les champs c'est des chaînes de caractères. Donc pour éviter on doit convertir le champ en numérique et après cela, il va fonctionner normalement, comme une calculatrice. Donc maintenant, on va tout simplement entrer le if conditionnel, if, qu'on a déjà fait précédemment. If conditionnel, l'instruction conditionnelle plutôt, if LBL, on va jouer sur le signe, LBL, signe, point, caption. Vous pouvez laisser LBL signe ici tout. Mais il vaut mieux faire point caption, c'est mieux, c'est mieux. Plus then, alors qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va trouver, donc je vais vous montrer ici, quand il va trouver un plus ici, il va tout simplement faire une addition. Donc on va écrire, on va mettre somme S. Bien B, bien C, comme vous voulez, C plutôt, mais c'est pas B, c'est C, égale à A plus B. Je vais mettre ici else, sinon, je vais faire un autre if, donc pour ne pas
m'embêter à chaque fois d'écrire tout. Je vais tout simplement faire un copier-coller. Quatre fois. Trois fois plutôt. C'est bon. Donc ici, je vais faire un moins. Et là, changer moins. Ici, x. Là, faire étoile. Parce que la multiplication dans la programmation, c'est étoile. Et à la fin, là, tac, slash, slash. Et après, vous fermez les conditions and if 4 fois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre, quatre fois. Et il faut maintenant afficher le résultat. C'est logique. Donc, LBL résulte, c'est le notre label qui affiche le résultat. Et là, on va faire un petit texte. Le résultat est deux points S. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter. C'est la dernière étape à faire. L'avant-dernière étape, parce qu'il y a quelque chose à d'autres choses à rajouter. Je vais mettre 1. Ici, je vais mettre 2. Pardon, je vais sélectionner plus. Calcul. Le résultat égal à 3. À 3, tout simplement. Je vais faire moins. Moins 1. 2. 0,5. Ça marche. Ça marche très bien même. Mais les menus, on n'a pas encore programmé les menus, donc ça marche pas pour les menus. Donc maintenant, on va laisser pour les menus et les gestions des bugs pour le quatrième tutoriel. Merci de votre attention et à la prochaine.